Merci de vos soutiens, messieurs, dames. Nous regardons, nous voyons que vous nous soutenez bien. Ça nous fait énormément du bien. Mais abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous vraiment. Ça nous fera énormément du bien de plus. Appuyez sur le bouton rouge, là où c'est écrit abonner. Abonnez. Donc si vous appuyez une seule fois, vous vous abonnez directement. C'est une façon pour vous de nous soutenir. Chers compatriotes, abonnez-vous. Abonnez-vous à Eden TV officiel. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Merci, chers Congolais. Merci à vous tous qui nous suivez du côté de l'Allemagne. Vous nous suivez du côté des États-Unis. Vous êtes en République démocratique du Congo. Vous êtes en Belgique. Vous êtes en France. Vous êtes en Afrique du Sud. Vous êtes partout. En tout cas, merci. Merci puisque vous nous prouvez à ce faisant que vous êtes avec nous. Alors, n'hésitez pas toujours de nous contacter en cas de besoin au plus 243. 9 91 56 7707, plus 243 9 91 56 7707. C'est notre numéro. Alors, c'est une très bonne chose si vous nous contactez. Et Edem TV officiel, c'est votre chaîne. Débat politique, même des émissions sportives, puisque nous sommes en train d'ajouter des émissions à notre programme. D'abord, débat politique, puisque notre thématique, c'est débat politique et scientifique dans tous les domaines de la vie publique. C'est-à-dire, si nous parlons sport, nous allons parler sport, politique sportive, et certainement d'autres aussi, les actions pour quand même vous faire du bien. Il y a déjà une émission sportive que vous allez apprécier, qui a déjà commencé, Edem Sport. Okay, il y aura d'ici là une émission aussi de la beauté que vous allez apprécier également. Une émission aussi sur beaucoup de choses. Hein. Nous sommes en train d'aller mollo progressivement et vous allez apprécier. Après la suspension et la mort du général des forces armées congolaises, adjoint chargé de renseignement, Delphin Kayimbi, il y a eu des réactions au sein de la classe politique. Il y a eu des réactions. Je suis aujourd'hui en train d'analyser les réactions. Réaction d'abord, je commence avec du côté de l'opposition, Madame Eve Bazaïba. Madame Eve Bazaïba se pose des questions. Elle dit, ah, Oliwa Penza ya Modeloana. Donc, appelé pour être auditionné, mais Akoufi, il est parti. Nanya précipité Liwa Oi. Nanya tindie na exil sans retour. Et c'est pas ça la autopsie. Et c'est la police scientifique à Salam Salanae. Ça, c'est Madame Eve Bazaïba du MLC. Elle est secrétaire générale de cette formation politique, cher à Jean-Pierre Bemba. Alors, c'est tout à fait normal lorsqu'il se pose de telles questions. Étant actrice politique aussi importante dans notre pays, puisque les circonstances de la mort du général, Ezopé Sabiso, moi, Kobanga Mingi. Les opérations de l'Assemblée Kobanga Mingi. A Koufi Mbango Mbango Bongo Ndenge Mingi. Ça, le point de vue de madame tient debout. Il y a aussi un autre point de vue, c'est le point de vue des internautes. Les internautes aussi, Balobi Bakomi, mais A Koufi Mbango Mbango Boye. Et les internautes, ils ont dit que c'est un audio Moko Boye. Et audio, Balobi, qui soit disant que ça, moi, il y a un général Kayimbi. Là, nous allons encore faire beaucoup de recherches pour se rendre compte si réellement Azam Mwananae. Dans l'audio, c'est une dame, une fille qui parle, qui explique, je ne sais pas si c'est sa camarade, que Tozaki n'a papa, Tosololi n'a papa, papa Azaki n'a bongo bongo, Avanata Koulinga Kosololate, et il y a comme ça qui est l'air à coup. À l'obito Tikaye, à Tikaliye Moko, et le lendemain, tout est au Koutiye, à Koufi. Ou à la version Yamwan. Selon l'internaute. Donc, toujours cette version, avant la malaise, c'était prévu à qu'en Afrique du Sud, depuis le 20, au Bapékissaï, l'air a sali crise naïe, après qu'au Zoua, suspension, a se retrouvé, malamoko n'a pas si makasi, même il y a 50 ans, on débissait à qui au Koufel. Ou à la thèse, Moussous. La thèse, il est qui et puis les. Na qui plus loin, juste sous thèse, il y a FCC,
avec Kokonyang, bah le biki, bango bah qu'on s'est vengé, bah qu'on vengé l'Iwa, il y a Delphin Kayenge, puisque c'est un soldat, c'est un homme très important aux côtés de Joseph Kabila. Bah qu'on s'est vengé, bah qu'on s'est vengé nanani, nani a bomié, nani a bomié pour bah s'est vengé naï. Alors, président de la République aussi, dans le conseil des ministres, au Atenaki vendredi, d'abord le BP à son âme, mes condoléances, et de dire à l'OBI, enquête et à la mise en place rapidement pour la cause de solution, pour la cause de les vraies vérités dans l'Iwanaï. Tout l'année, il y a un tweet, Moko, Kakanaka, sur les réseaux sociaux, tweet Wana et l'OBI. Tweet Wana et l'OBI que l'homme à Koufi pour Alobakina Félix, le président de la République, bah vérité sur Joseph Kabila, entre autres, il y a Mindouki, Oizouta. Ailleurs, ils sont à part Tanzanie, Sikarapi, Tanganyika plutôt, côté Oyo, Lekina, il y a Joseph Kabila, Zak gouverneur, il y a ce côté. Ce qu'on l'a dit, c'est la vérité, et pas Félix Kabila, il y a ce qui est Robomaye. Ah! Est-ce que c'est la vérité que vous avez écouté? Ou on a kakanaka tsaba réaction. Nous sommes toujours au chapitre de réaction. Bon, on a évité. Est-ce que c'est la vérité que vous avez écouté? Nous sommes toujours au cas où on a tout le comprendre. Allons, vous avez dit, vous avez dit, vous avez non, et vous avez bon côté. Général, maintenant qu'il est en Afrique du Sud, il y a un appareil matériel pour mettre le président de la République sous écoute. En même temps, il y a un rebelle sous écoute pour couper sa plainte RDC dans la rebelle. Ah! Mais il y a une version tellement ébelle après le Wanaï. Maintenant, il y a qui dit vrai et qui dit faux. Ok? Qui dit vrai et qui dit faux? Liwa ya mutu sima liwa na ebi ke makambo zilaka toujours révélé o ebi makasima na ye analyse la biso na mukuse ezani mokolo lelo lisusu eza ya que ce monsieur akendaki kozala audité basali audition batunye mituna par rapport à ba grief o bazo reprocher l'air batunye mituna wana jusqu'à présent rien n'a filtré. Nami tuna oyo batunaki audition o basali c'est bien otoyoki mais jusqu'à présent rien n'a filtré donc ba spéculation o nso batobazo za na yango c'est bien puisque tout le monde nous parle toujours il y a ba source selon nos sources selon des sources fiables proches de l'armée de c'est bien tout ça nous attendons la version officielle. La version officielle pourrait nous faciliter les choses. Nous devons tout payer ces informations comme il se doit. Tout ça l'analyse où il faut tenir debout sur base de la version officielle. Pour ceux qui toujours spéculer, car ils toujours spéculé, ils ont payé sa cocosse. Mais pas si la bise sur le zagarake. Le monsieur est parti. Babana auditionné. Il est parti. Audition en a comme ça là. Ce qui est vrai. Ceux qui ont touché la sécurité à l'État, la sûreté à l'État, on ne peut pas dire ça. Parce que le bangou n'a médiaté. Quand on a reproché concrètement, parce que le bangou n'a médiaté. Parce que le bangou n'a médiaté, puisque l'armée est allée dans Kati, il y a Eloko Tobengi, pour garder l'intégrité territoriale, pour garder Mboka. La sécurité, la secret armée, la bimisakangoka, même Félix l'a dit un jour, que tant que Bazalaka en opposition, l'heure va commis Bazalaka en opposition plutôt, Bazalaki n'a accès à l'information sur Mbokate, surtout dans ma camouille armée. Mais l'heure va commis à la pouvoir, à comprendre la réalité, sur l'information, Bazalaki n'a accès à l'information. Pourquoi? Parce que c'est le commandant suprême des forces armées congolaises. Alors, pour raison stratégique, j'aimerais que. Attache que basali audition et basoki déjà bas information sur le général Kayenge. Et vous allez malam ou te ba publier en gros.
Et vous allez me publier en gros pourquoi. Un, c'est pour garder nos stratégies. Parce que si l'homme était de mèche avec le rebelle, et que bah, publier bah, le lobby qui azaki de mèche, n'a pas rebelle tel et tel et tel et tel, bah, c'est-à-dire, toujours se dénuder, toujours pèse à rebelle, ou à ma casse et courage, bayeba, qu'on contourne Bissou Lissous. Alors, pour ne pas donner la chance à l'ennemi, il y a contourné Bissou. Et ceux qui ont déjà information, il y a malam et pas à Moutouana, il serait mieux de garder silence. Mais non, que le gouvernement ne donne pas ces informations-là, que les autorités ne diffusent pas ces informations-là, ou bien si Bazouaki n'a audition à Liboso, ou bien qui est déjà général Kayimbi de son vivant, va garder Yango. Va garder Yango, mais va bengi ça. Bah stratège, bah spécialiste, bah tout bazar na quatre armées, bah tout bazar mieux placé pour nakosu, pour mettre en place bah stratégie, oh kosungabiso pour nakoko contraindre Monguna, puisque au cas contraire, t'as qu'au tomber, t'as le ratoué bah ni nakosa là, et que c'est trop tard. Nous sommes inquiétés certes, et ceux qui nous sommes inquiétés, nous devons mettre en place des bonnes stratégies. On cite souvent Joseph Kabila dans Makamboul. Certainement, si Joseph Kabila a été impliqué dans Makamboyo, je vous dis qu'il sera arrêté avec l'état de droit, ceux qui ont été impliqués. Mais ceux qui ont été impliqués, je ne trouve pas normal, Yakoba n'a pas gâché la réputation. Mais que la justice ne laisse pas tomber aussi la rumeur Yonsoan, la rumeur Wana Ezala. Que les autorités prennent la rumeur Yonsoan pour rumeur et comme rappel information. Ba garder base en Makamboyo Yonsoan. Balande la épée malam. Bayeba, est-ce que vraiment Azana Makati ya Makambouana? Ceux qui Azana Kati n'a ngote, c'est bon. Mais ceux qui a se retrouvé dans Makambouana, Mahamwa Kinde Kona Kemuninga et Zuzalate, Moto Oya Komenase Sécurité en Boka, Nabandi Kimbi pour Salam Salam Yango. Merci beaucoup, Bandeko. N'oubliez pas. En tout cas, Bobo Sanate, Yako s'abonner massivement à la chaîne Abin. Edem TV officiel. Vous êtes du côté. Du Royaume-Uni, vous êtes côté à Belgique, côté à France, merci. Merci vraiment à vous s'abonner, belé, ça nous fortifie. Nous sommes très heureux de vous et très fiers même de nos compatriotes congolais qui nous suivent de partout. Que Dieu vous bénisse, nous serons toujours là pour analyser des choses. Aujourd'hui, nous avons dit que nous avons une symbiose, nous avons une réaction, nous avons une réaction, peut-être que nous avons une chance, nous avons une réaction. Yangoana, aujourd'hui, c'est à vous maintenant de conclure aussi. C'est très important. Merci. Notre numéro, c'est toujours le plus 243 9 91 56 77 07. Plus 243 9 91 56 77 07. Merci et que Dieu nous bénisse. Merci de vos soutiens, messieurs, dames. Nous regardons, nous voyons que vous nous soutenez bien, ça nous fait énormément du bien. Mais abonnez-vous, abonnez-vous vraiment, ça nous fera énormément du bien de plus. Appuyez sur le bouton rouge, là où c'est écrit abonner, abonner. Donc si vous appuyez une seule fois, vous vous abonnez directement, c'est une façon pour vous de nous soutenir. Chers compatriotes, abonnez-vous à EDEM TV officielle.